Le proverbe dit que le nez doit se méfier d'une bouche longtemps fermée. Raison pour laquelle il est important de parler. Mais ne parle pas qui veut, parle qui peut. Celui qui sait parler fait attention, mais celui qui ne sait pas parler se tait. Zokio, Zokio, Ewawa Zoki. Zokio, Zokio, Ewawa Zoki. Zokio, Zokio, Ewawa Zoki. Oh, 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 Ewawa Zoki. Oh, 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 Ewawa Zoki. Akendewa, l'araignée était l'animal le plus colérique de tous les animaux de la forêt. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Akendewa se mettait en colère et ce point rien. Les animaux de la forêt lui ont dit à Akendewa, si tu continues comme ça, tu risques de te retrouver sans femme. Akendewa disait, oh moi je m'en fous, tout compte fait, quand tu n'es pas marié tu t'ennuies et quand tu es marié tu as des ennuis. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. La fille du roi du pays des hommes est tombée follement amoureuse d'Akendewa. Ils se sont attirés, ils ont sympathisé, ils se sont bisoutés, ils se sont aimés, ils se sont dotés et ils se sont mariés. Le jour de leur mariage, un convoi animalier dans la forêt et ce chant a tonné. Mais comme le disent les baoulés, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Akendewa l'araignée, un soir, il pique une colère noire. Sa femme à côté lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Akendewa dit, ah laisse-moi, elle dit, mais calme-toi. Et Akendewa énervé, sa femme enceinte, il prend une banane douce et se met à menacer sa femme enceinte. Elle lui dit, Akendewa, il ne faut jamais menacer une femme enceinte avec une banane douce. Aïe, mais pourquoi? Vous ne savez pas? Parce qu'elle a déjà vu plus dur que ça. Alors Akendewa énervé se met à frapper sa femme. Elle dit, hé hey, Akendewa, c'est moi que tu as frappé comme ça. Mais tu vas voir. Cheikh Ivan, si une femme te dit que tu vas voir, même si tu es aveugle, tu vas voir. Elle bat le gong et direction sur la place du village. Tout le monde est là. Alors, Akendewa se met à expliquer l'histoire d'une manière saugrenue. Et sa femme lui dit, quoi? Oh, si une femme te dit, quoi? Ce n'est pas qu'elle n'a pas entendu ce que tu as dit, mais elle te donne l'occasion de rectifier ce que tu as dit. Akendewa dit que les femmes, c'est comme du café. Au départ, ça excite, mais après, ça énerve. Et elle a dit, chef, les hommes, c'est comme du citron. Pour avoir un seul sucré, il faut avoir goûté au moins 10 000. Et là même, c'est pas très sûr. Alors, il y avait une vieille femme qui lui a dit à Akendewa, si une femme t'aime, tu es sauvé. Mais si une femme ne t'aime pas, il faut te sauver. Zokio, Zokio, Ewawa Zoki. Zokio, Zokio, Ewawa Zoki. Alors le chef prend la parole et dit ceci. Akendewa, nous sommes tous unanimes que toutes les femmes sont belles. Mais d'aucuns pensent que les femmes belles sont bêtes. Non, une femme belle n'est pas bête, mais une femme belle embête les hommes bêtes. La femme est la ceinture qui maintient le pantalon de l'homme équilibré. La femme est le seul cadeau qui choisit l'homme. Akendewa, la femme est comme du feu. Si tu l'entretiens, tu auras de la chaleur dans ton cœur. Mais si tu t'amuses avec, tu auras un incendie dans ton cerveau. Alors le chef termine en disant ceci. Akendewa, il ne faut jamais jouer avec le cœur d'une femme. Parce qu'elle n'en a qu'un seul. Joue plutôt avec ses seins. Elle en a deux. Sokio, Sokio, Ewawa Zoki. Sokio,